Bonjour tout le monde, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. C'est un très grand plaisir de vous avoir aujourd'hui, en tout cas de vous partager cette présentation, ce live, pourquoi les fermentations sont si bonnes. Mon but, c'est de vraiment donner le goût des fermentations avec ce live-là et surtout de vous montrer comment c'est facile d'en faire à la maison. Donc, vous allez pouvoir poser des questions tout au long du live. C'est possible que je vais réserver sûrement du temps à la fin. Il y a Geneviève qui va me donner un petit coup de main pour tout ça. Pourquoi les fermentations sont si bonnes? Déjà, la petite question, c'est quoi une fermentation? Si vous pouviez me répondre, ce serait le fun. Mais posez-vous la question, déjà. C'est quoi une fermentation pour vous? Est-ce que c'est la bière? Est-ce que c'est du vin? Est-ce que c'est du pain, du fromage ou peut-être du compost? Il y a plein de façons de voir ce que c'est que le terme une fermentation. Mais d'un point de vue scientifique, on pourrait dire une fermentation, c'est la transformation contrôlée d'ingrédients par des micro-organismes. Ça, c'est l'explication scientifique. Le microbiologiste pourrait vous dire ça. Et ce que vous voyez en toile de fond, ce sont des levures, en passant. Mais d'un point de vue systémique, quand on regarde la fermentation d'un point de vue plus global, et quand on réalise, la fermentation, c'est des micro-organismes qui sont en train de faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de vivre, tout simplement. Ils consomment ils consomment de la nourriture, ils se reproduisent, ils dorment probablement, ils vont pas jusqu'à construire des routes, mais en tout cas ils sont en train de vivre. Et donc quand on est en train de fermenter, on est en train de demander en quelque sorte à des micro-organismes faire du travail pour nous. Toutefois, on peut pas dire à des micro-organismes, vas-y, travaille pour moi. Fais-moi de la bière, ou fais-moi du pain, ou fais-moi une choucroute. Ça ne se marche pas comme ça. Quand vous faites une fermentation, ce n'est pas vous qui cuisinez. Ça, c'est un truc vraiment super important, c'est comme la base. Ce n'est pas vous qui cuisinez, c'est des micro-organismes qui cuisinent pour vous. Et pour les amener à cuisiner pour vous, faut leur demander gentiment. Mais pour leur demander gentiment, vous allez leur donner des conditions idéales pour que la fermentation se fasse. En fait, en réalité, quand vous faites une fermentation, votre job à vous, cuisinier, c'est de créer un festin. Vous créez un festin pour que les micro-organismes fassent « Wouhou, party !» et ils se mettent à faire la fête là-dedans. Ils se mettent à manger, inviter leurs amis se multiplier, on passe les détails, et manger. Donc, il faut que les conditions de nourriture, de température, d'humidité et toutes les conditions favorables soient remplies pour que ça se passe bien et que ça fermente. Et donc, l'autre question que je vous poserais, c'est « Mais d'où viennent les fermentations ?» C'est qui a inventé les fermentations? Est-ce que c'est Jules César George Bush Cro-Magnon? En fait, je vais vous inviter à vous poser la question depuis quand les micro-organismes existent. En fait, si on résumait ce que c'était que la vie sur Terre, la première fois qu'un micro-organisme est apparu, c'était il y a pas mal longtemps. En fait, il y a quelques milliards d'années. C'est pas mal loin, les milliards d'années. Si vous regardez cette main comme illustration, vous regardez tout au bout du majeur, le petit point, c'est les humains. Les humains, notre histoire d'humanité, les micro-organismes sont arrivés pas mal avant nous. Et donc, les micro-organismes ont fermenté, ont vécu et ont fait des fermentations pas mal avant nous. C'est-à-dire que l'ensemble de nos ancêtres, peu importe d'où ils viennent, ont probablement découvert des fermentations. Puis nous, dans notre histoire, on les a perfectionnés. Le kombucha, ce n'est pas un humain qui a inventé le kombucha, c'est un humain qui a découvert qu'il y avait du kombucha qui fermentait et qui a essayé de recréer les conditions favorables. Et la choucroute, on l'a perfectionnée, mais c'est une fermentation lactique de micro-organismes en train de manger des légumes, tout simplement. Et oui, c'est ces micro-organismes. Et il y en a partout, c'est ça qui est vraiment génial. La vie,
Partout autour de nous, partout à l'intérieur de nous, il y a de la vie. Oui, de temps en temps, il y a des virus là-dedans, et il peut y avoir des bactéries pathogènes, mais la grande majorité des micro-organismes sont bénéfiques. Vous en avez besoin, on en a besoin, sans eux on serait mort, on ne pourrait pas exister. Au final, l'être vivant à l'intérieur de nous et sur nous, il y a plus de cellules étrangères que de cellules qui sont propres à nous. Et toutes ces cellules-là, eh bien, elles vivent en symbiose avec nous. On en a besoin, elles ont besoin de nous, elles nous aident à digérer, elles nous protègent contre des attaques de pathogènes, elles nous aident à assimiler tel ou tel nutriment, elles contribuent à notre santé, mais aussi probablement à notre bien-être en général. Et on est très très loin de découvrir, de savoir toutes les choses à ce niveau-là. Les médecins, ils parlent de... Il parle de microbiote intestinal, on en parle vraiment souvent, il s'intéresse vraiment à ça, et puis on sait que ça joue un rôle vraiment essentiel dans notre santé en général, mais il y a tout plein de microbiotes, c'est pas juste le microbiote intestinal. Mais c'est quoi les bénéfices des fermentations? C'est quoi qui fait que les fermentations, c'est génial? Pourquoi est-ce que pourquoi on s'est mis à manger ces choses-là créées par d'autres? Ben déjà, peut-être parce que c'est d'autres qui les créent et que c'est bon. Mais beaucoup de personnes s'intéressent aux fermentations pour une question d'autonomie. Parce que faire des fermentations, ça permet d'être plus autonome dans son alimentation et de... mais surtout au niveau de la conservation. L'autonomie et la conservation, c'est vraiment super lié. Ce qui est le fun avec les aliments fermentés, c'est qu'ils se conservent très souvent, très longtemps. Et je dis très souvent, très longtemps parce qu'il y a toujours des exceptions. Par exemple, le tempeh, c'est pas une fermentation qui se conserve très très longtemps. Quelques heures, quelques jours, enfin disons quelques jours, il va se transformer très rapidement. Mais quand on pense à une choucroute, par exemple, ou un kimchi, dans les légumes fermentés, c'est des choses qui se conservent très très longtemps. Mais pensons aux alcools, par exemple. Le vin et tout ce qui est spiritueux sont des choses qui se conservent et qui conservent les propriétés naturelles du fruit. Pas toutes les propriétés, c'est certain. Et puis, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est aussi certain. Mais quand on prend un jus de pomme et qu'on le fait fermenter dans une fermentation la plus naturelle possible, il n'y a pas trop de produits chimiques pour transformer ça, mais eh bien, une grande partie des propriétés de la pomme et du jus de pomme sont conservées. Donc, en grande partie, les aliments sont conservés, et puis on le voit surtout avec les légumes toutefois. Ce qui est vraiment spécial avec les fermentations, et là, au niveau de la conservation, c'est que ça nécessite zéro énergie. Si vous vous intéressez à conserver vos aliments, la fraîcheur de vos aliments, eh bien, il n'y a pas besoin de mettre d'énergie, pas besoin de chaleur, pas besoin de froid pour conserver des aliments fermentés, comme la choucroute, du kimchi, des pickles, de la salsa et les sauces piquantes, etc. Il suffit de mettre un petit peu d'énergie de vos mains, de votre force, mais sinon ça se conserve tout seul. Et c'est sécuritaire. Ça, c'est un autre point vraiment super important. Dans le sens que c'est plus sécuritaire de manger une choucroute qu'un chou cru. Dans le chou cru, il pourrait y avoir des bactéries pathogènes telles que la salmonelle, le coli, l'hystéria. Je ne veux pas vous faire paniquer, ça arrive très très rarement, même extrêmement rarement. Mais même si vous preniez un chou où il y a des bactéries pathogènes, vous le faisiez fermenter, quelques jours plus tard, vous pourriez le manger. Ces bactéries pathogènes ne résistent pas à l'acide. Et le niveau de pH, d'acidité de votre choucroute est suffisant pour détruire toute bactérie pathogène. Donc c'est extrêmement sécuritaire. Au niveau de la santé, vous avez peut-être entendu parler de ce livre, fameux livre sur la santé qui s'appelle Le charme discret de l'intestin. Eh bien ce livre-là résume un petit peu les bénéfices santé des fermentations, mais aussi pourquoi le microbiote dont je vous parlais tout à l'heure est si important. Je ne vais pas rentrer dans les détails trop, parce qu'on pourrait faire un cours d'une semaine, d'un mois, juste sur le sujet des bénéfices santé des fermentations. Mais pour résumer, numéro 1, les aliments fermentés ne sont pas dégradés par la chaleur, parce qu'ils ne sont pas chauffés. Donc, ils contiennent de base
au moins autant de nutriments qu'un légume cru, qu'un aliment cru. Mais toutefois, la fermentation, la transformation par ces micro-organismes fait en sorte qu'il y a de nouveaux nutriments qui apparaissent. Il y a plus de vitamine B dans un chou que dans une choucroute que dans un chou. Il y a de nouveaux nutriments qui apparaissent et d'autre part, c'est plus bioassimilable. C'est comme si les micro-organismes prédigéraient nos légumes, et le rendaient plus assimilable par l'organisme. Donc, pas de destruction de micro-organismes, pas de destruction de nutriments, même il y a plus de nutriments, ils sont plus bioassimilables. Et en plus, c'est bourré de bactéries bénéfiques pour la santé, ce qu'on appelle des probiotiques. Et donc, ça vient renforcer notre système digestif et notre santé globale. Donc, globalement, au niveau de la santé, c'est extrêmement bon de manger des aliments fermentés et en particulier des légumes fermentés. Et je pourrais rentrer dans différents sujets, pourquoi le tempeh c'est super bon, je vais vous le dire vite fait, parce que le soya c'est pas très digeste de base, mais du soya fermenté ou des légumineuses fermentées deviennent extrêmement digestes. Donc des protéines végétales super digestes. Même chose pour le miso, même chose pour les autres produits de la fermentation des légumineuses. Le goût. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler d'un restaurant, et peut-être rares sont ceux d'entre vous, en tout cas je vous envie énormément, qui ont été mangés dans un restaurant qui s'appelle le Noma. Le Noma, c'est un restaurant au Danemark, à côté de Copenhague, qui est reconnu mondialement parce qu'ils ont été classés meilleur restaurant au monde. Pas une fois, pas deux fois, mais quatre fois en fait. Et à chaque fois que j'en parle à un cuisinier ou chef ou en tout cas spécialiste de la cuisine, c'est comme une admiration. Donc c'est pas un prix fantoche, c'est vraiment très très sérieux. Et le Noma, donc ce restaurant extrêmement réputé, ont sorti dernièrement ce livre-là, il y a un an et demi, deux ans à peu près, le guide de la fermentation du Noma. Dans ce livre-là, ils disent leur secret. Ils disent que dans chaque plat, peu importe le plat, il y a toujours un petit peu de fermentation à l'intérieur. Et tout n'est pas fermenté, loin de là. C'est pas un restaurant d'aliments fermentés, mais il y a toujours un petit peu de fermentation. Et c'est ça qui fait en sorte que, pour eux, il y a une saveur particulière qui fait en sorte que les gens trouvent ça plus que bon. De toute façon, sans le savoir, vous le savez déjà que les aliments fermentés sont extrêmement bons. Enfin, vous le savez peut-être déjà, mais si vous ne le savez pas, il y a juste à demander. Vous voyez une salade avec du vinaigre, la vinaigrette aide vraiment beaucoup. Du fromage sur des pâtes, ça aide vraiment beaucoup. Un verre de vin ou une bière dans un repas, c'est quand même très très bon. Et si vous n'êtes pas habitué à tous les aliments fermentés, c'est certain qu'il y en a certains qui sont vraiment un petit peu fort au niveau des saveurs, et que quand on y goûte la première fois, on peut être un petit peu rebuté. C'est certain, ne commencez pas à goûter un kimchi à la fourchette pour la première fois. Mettez-en un petit peu dans un plat et goûtez. Et d'un seul coup, vous allez voir que ce plat-là, ce potage, cette sauce, un petit goût vraiment spécial qui est... Les Japonais, ils appellent ça le umami. Ce goût, cette nouvelle saveur qui fait en sorte qu'il y a quelque chose qui est savoureux, qui va au-delà du « c'est bon, c'est salé, c'est acide, whatever ». En tout cas, c'est vraiment bon. Donc le goût, on peut dire que les fermentations, en fait, ce sont des rehausseurs de goût. Et c'est un des avantages premiers. En fait, c'est cool que ce soit bon à la santé, c'est vraiment génial que ça permet de conserver les aliments, mais la base, c'est bon. Et c'est ça qui fait le succès des fermentations. Et c'est ça qui fait en sorte que les gens, quand ils commencent à manger des fermentations, ont envie d'en manger, en manger. Donc, voilà. Maintenant, que peut-on fermenter? Et je vous pose cette question-là. Et je ne vais pas pouvoir lire votre réponse, malheureusement, vous écoutez. Mais la réponse, c'est... pas mal tout ce qui est comestible cru sera comestible une fois fermenté. Et donc, faisons un petit portrait.
Le monde des fruits, miel, sucre et compagnie, c'est le monde des levures. Et c'est les levures qui fermentent ça. Et on peut faire toutes sortes de choses à base de levures. Le monde des céréales, c'est aussi le monde des levures d'ailleurs. En fait, la plupart des personnes ne le savent pas, mais faire du pain, c'est faire une fermentation alcoolique. Au final, il n'y a plus du tout d'alcool à l'intérieur du pain, mais techniquement, c'est quand même une fermentation alcoolique. Les produits laitiers, ce sont principalement des bactéries lactiques, comme la choucroute d'ailleurs, comme les légumes fermentés, et aussi le monde des levures, et des fois des moisissures aussi. Les viandes, bactéries lactiques, levures, un petit peu moisissures aussi, certaines viandes sont fermentées, oui. Légumes et compagnie, ce sont le monde des bactéries lactiques exclusivement, on ne veut rien d'autre que des bactéries lactiques là-dedans. Le monde des légumineuses, moisissures nobles. En fait, c'est des moisissures, mais ce n'est pas n'importe quelle moisissure. Et puis, souvent, l'image que l'on a de moisissures, on se dit « Yark, c'est dégueulasse les moisissures ». Et oui, il y a des moisissures qui peuvent être pathogènes, mais il y a plein de moisissures qui sont extrêmement bons. Si vous êtes amateur de fromage, il y a de grandes chances que vous aimiez les moisissures. Et dans le monde des légumineuses, comme le miso, le tempeh, le natto, la sauce soya, et puis j'en passe, eh bien c'est principalement des moisissures. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples que vous pouvez faire facilement à la maison. Dans le monde des boissons, je vous invite fortement à découvrir des boissons comme l'hydromel, le kombucha, le kéfir de fruits, la bière de gingembre et le tepache. Je vais vous dire un petit peu ce que c'est un par un. L'hydromel. L'hydromel, probablement la plus ancienne fermentation domestiquée par l'humain. En fait, beaucoup de gens pensent que c'est le pain, mais au final, c'était peut-être une bouillie en réalité entre de l'alcool un pain, une pâte, disons. Mais c'était le sucre tel que l'on le connaît aujourd'hui, c'est très récent. L'ancêtre du sucre, c'est le miel. Et vous prenez du miel, c'est extrêmement stable. Mais vous prenez du miel et vous rajoutez de l'eau, et bien ça va fermenter. Parce que les levures et bactéries qui sont à l'intérieur n'attendent qu'une seule chose, c'est d'avoir de l'eau pour se réveiller. Et une fois qu'elles ont de l'eau, et bien elles commencent à fermenter et ça crée de l'hydromel. Le kombucha, extrêmement simple. Si vous savez faire un thé, si vous savez mettre du sucre à l'intérieur de votre thé, vous saurez faire du kombucha. C'est vraiment un peu plus compliqué que ça. Et puis, ça donne une boisson pétillante, très rafraîchissante, qui est un petit peu énergisante et vraiment, vraiment super bonne. Si vous êtes une des rares personnes au Québec ou ailleurs dans le monde qui ne connaît pas le kombucha, goûtez au kombucha. Ça vaut vraiment la peine. Et puis, faites-en du kombucha, c'est vraiment d'une simplicité monstrueuse. Vous faites un thé sucré, vous laissez tiédir, vous rajoutez une mer de kombucha à l'intérieur, vous mettez un petit tissu par-dessus parce que vous voulez empêcher les mouches à fruits de rentrer, et ensuite, vous attendez une dizaine de jours sur votre comptoir, et après, c'est prêt. Aussi simple que ça. Vous embouteillez si vous voulez du pétillant, vous pouvez rajouter des saveurs, vous pouvez le boire tel quel. C'est prêt, c'est légèrement acidulé, légèrement sucré, faible en sucre comparé à une boisson telle qu'un jus ou qu'un soda. Kéfir de fruits. Le kéfir de fruits, c'est comme le kombucha, mais pas pareil. Mais disons que le résultat final est similaire. Il n'y a pas de thé à l'intérieur. Par contre, la fermentation est beaucoup plus rapide. C'est 24-48 heures au lieu d'une dizaine de jours. Et ce qui est particulier avec le kéfir, c'est qu'on n'utilise pas une mer, on utilise des grains. Ça n'a rien à voir avec des céréales, mais c'est granuleux. Souvent, on rajoute une rondelle de citron, une figue. Les personnes qui aiment bien avoir une routine dans leur vie, des choses assez régulières, ont tendance à préférer le kéfir. Les personnes qui ont plus une vie un peu plus anarchique au niveau de l'horaire ont tendance à préférer le kombucha. Essayez, vous verrez ce qui vous convient le mieux. C'est rare que les personnes fassent le kombucha et le kéfir en même temps, c'est généralement soit l'un soit l'autre, parce que les boissons, le résultat final se ressemble. C'est pas du tout le même goût, mais ça se ressemble au niveau des bienfaits. Bière de gingembre. J'ai une vidéo qui va sortir dans quelques jours là-dessus, sur la bière de gingembre. Ça,
ça vaut la peine de goûter ça si vous aimez ça. La bière de gingembre, en tout cas le gingembre. Ça se fait vraiment très très facilement. Là, c'est une fermentation un peu plus longue, c'est plus un mois et demi, des fois un petit peu plus. Ça se fait spontanément avec un levain de gingembre, un petit peu comme quand vous faites un pain au levain. Vous faites un pain au levain, ça se fait à base d'un levain qui est à base d'eau et de farine. Là, c'est un levain à base de eau, sucre, gingembre. Vraiment extrêmement bon. Ça peut être, c'est généralement alcoolisé, 3-4%, ou vous pourriez rajouter des levures particulières et un peu plus de sucre, vous pouvez monter à une douzaine de pourcents. C'est vraiment extrêmement bon et si vous aimez le gingembre, vous allez tomber accro. Tepache, vraiment génial le tepache, c'est sous-connu. Ça vaut le coup d'être essayé. Si vous aimez l'ananas, et on fait de l'ananas souvent, puis on jette la peau de l'ananas au compost. Mais là, vous récupérez la peau de l'ananas, vous le mettez dans l'eau et vous pouvez rajouter du sucre aussi. Vous pouvez rajouter du cœur, du fruit aussi si vous voulez, mais c'est optionnel. Et vous allez voir au bout de 2-3 jours une boisson fermentée qui goûte terriblement bon. En tout cas, si vous aimez l'ananas, ça va goûter terriblement bon. C'est vraiment très très simple à faire et ça part du principe que, je vous disais tout à l'heure, des micro-organismes, il y en a partout. Et des levures, des bactéries, en tout cas des levures, il y en a plein sur la peau de l'ananas parce qu'il y en a plein sur la peau du fruit. Parce qu'ils attendent juste le mûrissement du fruit pour se réveiller. Donc vraiment extrêmement simple, peau de l'ananas, dans de l'eau, avec du sucre ou sans sucre si vous l'aimez plus acide et puis un peu moins sucré. Au bout de quelques jours, vous allez voir des bulles apparaître. À ce moment-là, vous filtrez et vous avez un tepache. Durant la période du temps des fêtes, je partageais beaucoup de vidéos avec vous pour vous donner le goût de faire des fermentations pour le temps des fêtes et pour partager avec votre famille, vos amis. Je vais sûrement vous partager une vidéo sur le tepache. Ça vaut vraiment la peine. Le monde des vinaigres. Les gens ne le réalisent pas souvent, le vinaigre c'est une fermentation. C'est du vin aigre. C'est pas une fermentation alcoolique, c'est une fermentation acétique. C'est des bactéries acétiques. Dans la vie, les bactéries acétiques, il y en a vraiment très très souvent dans l'alcool. Ce qu'elles rêvent, c'est de manger de l'alcool et de produire de l'acide acétique. Et l'acide acétique, techniquement, c'est du vinaigre. Donc, quand des bactéries acétiques trouvent de l'alcool et de l'oxygène, elles ne peuvent pas s'en empêcher, elles produisent du vinaigre, elles transforment l'alcool en vinaigre. C'est pour ça que c'est la peur de chaque vigneron, de tous les vignerons de par le monde. Ils ont peur que d'une chose, c'est qu'il y ait des bactéries acétiques et de l'oxygène qui rentrent à l'intérieur de leur vin. Donc c'est pour ça que les bouchons, on veut qu'ils soient vraiment hermétiques. Il n'y a pas d'oxygène qui puisse rentrer à l'intérieur, sinon c'est fait pour ça. Donc, du vinaigre, c'est vraiment très très facile à fabriquer. Il suffit d'avoir un petit peu d'alcool, suffit de le mettre à l'air libre, mais de le protéger, comme le kombucha d'ailleurs, on le protège des mouches à fruits, et la fermentation embarque. Et donc, petit à petit, vous allez avoir du vinaigre. On peut l'accélérer, même dans le livre du Noma, ils donnent des trucs pour l'accélérer. Ils mettent un aérateur d'aquarium pour oxygéner l'eau. Ils oxygènent l'alcool, qui fait en sorte que, là, au lieu de prendre 2-3 mois à se faire le vinaigre naturellement, il prend quelques jours, voire quelques semaines. Le vinaigre, c'est vraiment super bon et puis on peut en faire de plein de sortes. On peut faire du vinaigre de vin, oui bien sûr, du vinaigre de cidre, mais on pourrait même faire du vinaigre de céleri, du vinaigre de n'importe quel fruit que vous voulez, même de légumes, etc. Donc vraiment, tout est possible avec le vinaigre. Les fabricants, les amateurs de kombucha qui font à la maison savent que un kombucha qu'on oublie un peu trop longtemps, ça devient petit à petit un vinaigre. Et ne vous découragez pas si votre kombucha est trop acide, félicitations, vous avez un super bon vinaigre en démarrage. Laissez-le quelques mois et puis vous allez voir, c'est extrêmement bon. Vous pouvez même rajouter quelques fruits à l'intérieur si vous voulez, comme de la fraise ou en tout cas de la canneberge. Vous allez avoir un vinaigre vraiment spécial. En tout cas, je vous le recommande. Les shrubs, vraiment pas très connus comme truc, mais disons que si vous aimez les sirops, si vous voulez utiliser les sirops dans vos cocktails ou pour aromatiser une sauce ou un dessert ou pour tout simplement boire avec un petit peu d'eau,
essayez les shrubs. C'est bien meilleur que les sirops. En fait, c'est fait par macération de vinaigre, de sucre et de fruits. Et le fait qu'on ne fasse pas chauffer les fruits, ça fait en sorte que les saveurs sont gardées et c'est vraiment super méga bon. Donc vraiment, à essayer les shrubs, ça vaut vraiment la peine. À part ça, à part les shrubs, maintenant parlons choucroute. Choucroute, kimchi, légumes fermentés. Attendez, j'ai un petit souci technique. Ok, c'est bon, parfait. Choucroute, kimchi, le monde des légumes fermentés, c'est le monde des bactéries. Bactéries lactiques qui vont avoir qu'une seule idée en tête, c'est se réveiller et manger le légume. Choucroute, c'est tout simplement tous les légumes fermentés, c'est d'une simplicité monumentale. Vous prenez un légume, vous le coupez en petits morceaux. En fait, techniquement, il n'y aurait même pas besoin de le couper, mais disons que vous le coupez en petits morceaux, vous lui rajoutez du sel et vous empêchez l'oxygène de rentrer. Donc, ingrédients plus sel moins oxygène. Aussi simple que ça. Des fois, l'oxygène est un petit peu un casse-tête dans cette histoire. Et ce qu'on veut, c'est prévenir. Donc, il y a différentes techniques qui existent, plus ou moins simples, plus ou moins compliquées. Allez voir sur notre site internet, il y a plein de guides. Aussi, je vais sortir des vidéos pour vous montrer un petit peu comment faire. Et puis, j'en ai déjà quelques-unes qui sont déjà sorties. Allez voir sur notre chaîne YouTube et puis aussi sur notre Facebook. On a quelques trucs aussi, mais surtout, allez voir sur notre site internet. Inscrivez-vous sur la newsletter, vous allez trouver vraiment plein de trucs. Tada! Je suis de retour. Normalement, 1, 2, 1, 2. Normalement, je suis encore là. Ok, normalement, vous m'avez encore. Petit problème de caméra qui s'est déclenché un petit peu trop rapidement. Donc, juste pour résumer vite fait, ingrédients plus sel moins oxygène. Le sel, il n'y en a même pas beaucoup. C'est 2% du poids total. Ce qui fait que si vous craignez un petit peu trop de sel dans votre alimentation, vous en faites pas, il n'y en aura vraiment pas trop. Si c'est vraiment encore trop salé pour vous, vous pouvez descendre à jusqu'à 1%. Mais bon, je ne vais pas vous donner un cours là, ce n'est pas le but de l'exercice, mais essayez, ça vaut vraiment la peine. Choucroute, c'est du chou vert. Kimchi, c'est un plat typiquement coréen. C'est comme une choucroute épicée, pour faire simple. C'est généralement chou vert, daikon, gingembre, ail et un piment qui s'appelle le gochugaru, qui est un piment typiquement coréen. Et il y a aussi à l'intérieur souvent une sauce de poisson, mais on peut le faire vegan aussi très très facilement. On peut mettre du miso, de la sotamari, vraiment des choses qui relèvent les saveurs. C'est vraiment spécial le kimchi. Ça vaut le coup d'être goûté si vous n'avez jamais goûté à ça. Et ça vaut le coup d'être fait, surtout ces fermentations, parce que c'est extrêmement simple à faire. Légumes en saumure, jus de légumes, sauce piquante, salsa. Il y en a vraiment de toutes sortes. C'est n'importe quel légume se fermente et il y en a qui sont terriblement bons. Essayez un jour, si vous n'avez jamais essayé, l'oignon lacto-fermenté. C'est... vous allez le dévorer. Bon, en tout cas, moi à la maison, mes enfants... tu sais, c'est pas le genre, mes enfants, à manger de l'oignon. Puis même... une bonne partie, j'ai 3 enfants, une bonne partie n'aime pas les oignons. Mais une fois lacto-fermenté, c'est vraiment extrêmement bon. Donc, à essayer. Et la suite de ça, bon appétit. Je vous souhaite vraiment beaucoup de plaisir avec les fermentations, c'est extrêmement facile. Nous, notre mission chez Révolution Fermentation, c'est de démocratiser les fermentations. On veut vraiment que vous ayez du plaisir à... en faire et bien sûr à les manger, à les partager à vos amis. Il y a quelque chose de vraiment magique avec les fermentations. Le fait que c'est pas vous qui cuisinez, déjà c'est une base très très intéressante. Et maintenant que ce live est terminé pour ma présentation, je vais voir un petit peu avec vous si vous avez des questions. Donc je vais juste lire vite fait et s'il y a des questions importantes. Microbiote comme eau chlorée et vaccin. Vaccin, je ne sais pas vous vraiment... Premièrement, déjà, au niveau de la santé, je ne suis pas un médecin. Je ne suis pas un spécialiste de la santé. Et si vous avez des questions liées à la santé, demandez à votre médecin, demandez à un naturopathe ou n'importe quel professionnel de la santé auquel vous faites confiance. Demandez-lui, il va pouvoir vous répondre.
L'eau chlorée, oui, ça pourrait nuire à la fermentation. Si vous avez une eau trop chlorée, vous allez savoir de toute façon, c'est probable que vous la filtrez déjà. Donc, filtrez-la ou laissez-la reposer, ça va bien marcher. Hey, what's up, Thomas? La pénicilline, ouais, c'est clair. La fermentation, c'est pas utile juste dans l'alimentation, ben, c'est utile dans plein de choses. Ça fait plaisir, Monique. Julien dit, les mouches à fruits donnent du goût au kombucha. Pas sûr, Julien. Moi, je te conseille de pas les laisser rentrer. En fait, techniquement, pour la petite histoire, traditionnellement, les mouches à fruits sont indispensables dans la fabrication du vinaigre. Je ne sais pas aujourd'hui, dans les fabriques industrielles, j'en doute, mais dans certaines fabrications artisanales, très artisanales de vinaigre, les mouches à fruits jouent encore un rôle parce qu'elles vont introduire les bactéries acétiques, mais aussi les nématodes. Je ne rentrerai pas dans la science de la fabrication du vinaigre, mais il y a des petits micro-organismes qui s'appellent des nématodes et qui vont aider à la fabrication du vinaigre et à sa maturation plus particulièrement. Ah oui, Jean-Philippe, oignons, rutabaga, asperges, vraiment, vraiment super bon. Il y a certains légumes qui, dans la fermentation, sont un petit peu moins le fun. Choux de Bruxelles, il y a des personnes qui adorent les choux de Bruxelles et qui vont adorer les choux de Bruxelles lacto-fermentés. Généralement, ça sent assez fort le soufre et ça goûte peut-être un peu moins bon. Moi, j'ai eu de très bons résultats quand on les fait frire après. Et en parlant de friture, il y a certaines fermentations de légumes qu'on va utiliser uniquement pour le goût et non pas pour les probiotiques ou les bienfaits, mais uniquement pour le goût. Je vous donne un exemple, la pomme de terre. La pomme de terre crue n'est pas comestible. Donc une pomme de terre lacto-fermentée n'est pas comestible. Parce qu'en fait, l'amidon à l'intérieur de la pomme de terre, il est indigeste. En fait, vous allez tuer votre digestion en essayant de la manger. Et si vous essayez de la manger fermentée, même chose. Par contre, les frites, c'est comestible. N'importe quelle pomme de terre cuite est comestible. Et donc, vous pouvez manger des pommes de terre coupées. En fait, le petit truc, vraiment des frites vraiment super bonnes, c'est vous les coupez, vos frites, comme si vous alliez les faire frire ou cuire au four, et vous les mettez dans de l'eau avec du sel, et idéalement, vous ajoutez un petit peu de jus d'une choucroute. En fait, l'idée, c'est d'apporter des bactéries lactiques à l'intérieur. Vous laissez fermenter ça pas longtemps, genre 3-4 jours. Et ensuite, vous séchez vos frites et vous les faites frire dans votre friteuse ou dans votre four ou dans la poêle, whatever. Vous allez voir, c'est un goût vraiment formidable. Ne laissez pas trop longtemps parce que sinon ça va être trop acide, le goût va être un peu trop fort. Mais vraiment, c'est très très bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, les morceaux de citrouille. Petit truc par rapport aux citrouilles ou autres cucurbitacées. Des fois, certaines fermentations perdent un petit peu leur texture avec le temps. Donc, il y a certaines fermentations de légumes, on va faire une fermentation plus courte. Il n'y a pas de règle vraiment par rapport à la durée. Je ne veux pas faire un cours complet là-dessus, mais dites-vous que vous pouvez manger un plat fermenté, lacto-fermenté, dès le premier jour. Techniquement, si c'est comestible cru, bah, ça va être comestible. Mais l'acidité va vraiment apparaître au bout de 3-4 jours. Et avec le temps, ça va maturer, les saveurs vont se mélanger. Donc souvent, on préfère une fermentation qui a quelques semaines, voire quelques mois. Mais dans certains cas, on la préfère tôt. Donc c'est à vous de faire vos expériences et de suivre un petit peu les recettes pour voir un petit peu ce qui est intéressant par rapport à ça. Mais la citrouille est vraiment super bon. Avec un petit peu de sauge, vraiment intéressant. Monique qui demande pour les vidéos. Le truc avec les vidéos et toutes nos communications, nos recettes, nos partages, inscrivez-vous sur notre newsletter. C'est vraiment le meilleur moyen pour être informé le plus tôt possible des recettes et de ces choses-là. Allez sur notre site internet, révolutionfermentation.ca. Allez sur
en bas de la page, inscrivez-vous à la newsletter. D'ailleurs, si vous n'êtes pas inscrit, vous allez recevoir un 10% de réduction sur votre première commande. Vraiment, ça vaut la peine. Et sinon, suivez notre page Facebook, mais vraiment, le meilleur moyen, Facebook, en fait, si vous suivez une page, vous n'allez pas recevoir toutes les publications. Vous n'allez pas être informé automatiquement. Mais vraiment, le meilleur truc, c'est d'aller voir notre site internet, aller dans la page Apprendre, aller dans la section Légumes fermentés si vous intéresse, ou Boissons fermentées, ou Yogourt, etc. Il y a vraiment plein de contenu. Et comme je vous disais tout à l'heure, notre mission, c'est de démocratiser les fermentations. Donc, notre rêve, c'est qu'il y ait des fermentations dans chaque cuisine. Donc, on va créer du contenu pour vous. Et que je ne dise pas de bêtises, je vais juste vérifier que la caméra fonctionne encore bien. La caméra fonctionne encore bien. C'est vraiment le premier live que je donne. Moi, on avait fait avec Sébastien David, on l'a organisé, on était plus une équipe. Là, Geneviève qui me donne un petit coup de main et moi, mais... Donc, il y a quelques petits ratés, s'il y en a quelques-uns, pardonnez-moi, j'essaie de faire de mon mieux. Sophie... Ah, peut-on faire bien pétiller le thé patché en l'embouteillant? Un petit truc, Loïc, merci pour ta question. C'est une question en fait avec toutes les boissons fermentées. Le pétillant, c'est très simple, de comprendre le principe. Après, de l'appliquer, une fois que vous l'aurez compris, vous pourrez le voir, c'est super facile. C'est le même principe pour toutes les boissons fermentées en fait. Les levures mangent le sucre. Quand il y a des levures et quand il y a du sucre, les levures vont manger le sucre et elles vont produire du CO2. Lors de la fermentation, que ce soit votre kombucha, votre kéfir, votre thé patché, peu importe, le CO2 va partir dans l'air ambiant et disparaître. Donc, il n'y a pas d'accumulation de pétillant à l'intérieur du liquide. Des fois, on peut goûter, on va sentir quelques bulles, mais c'est vraiment très très léger. Donc, le truc pour avoir du pétillant avec ces boissons-là, ou n'importe quelle boisson fermentée, que ce soit un vin de gingembre, une bière de gingembre, même du kéfir de lait, le truc qu'on veut que ça soit fermenté, que ça soit pétillant, c'est de le mettre dans une bouteille et de fermer la bouteille. Les levures vont continuer de manger les sucres. Et qu'est-ce qui va se passer? Les sucres vont se réduire, le CO2 va s'accumuler dans la bouteille, il ne va pas pouvoir sortir. Donc il va s'accumuler à l'intérieur du liquide. Et le jour où on va ouvrir la bouteille, eh bien, elle va être pétillante. La question c'est, quand vous ne connaissez pas exactement votre boisson, généralement un kombucha, au bout de 3-4 jours, c'est suffisamment pétillant, on peut mettre au frigo. Quand c'est au frigo, la température fait en sorte que le pétillant arrête de se développer. Mais si vous le laissez à température pièce, trop longtemps, le kombucha par exemple, eh bien la bouteille va devenir explosive. Si vous l'oubliez une semaine ou deux, c'est possible que quand vous l'ouvriez, vous allez repeindre votre plafond. Ce n'est pas nécessairement votre choix. En tout cas, faites un bon choix de couleur, kombucha à la fraise, donne des bons résultats dans une chambre d'enfant. Mais si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises et que vous débutez là-dedans, le mieux, c'est au début, une fois par jour ou une fois tous les deux jours. Une fois tous les jours, c'est souvent un meilleur résultat. Vous ouvrez très rapidement votre bouteille et vous la refermez aussitôt et vous regardez un petit peu comment le pétillant se développe. Si vous l'ouvrez trop souvent votre bouteille, ce qui va se passer, c'est que vous allez trop faire échapper de CO2. Et donc, au final, votre bouteille va quasiment jamais devenir pétillante ou vraiment trop à terme et puis il n'y aura plus assez de sucre et ce sera moins le fun. Mais dans le cas du thé patché, à ta place, ce que je ferais, c'est que j'attendrai un 24 heures, j'entrouvrirai ma bouteille, je la refermerai aussitôt et je regarderai s'il y a zéro pétillant, attends deux jours de plus et normalement, ça devrait être un peu plus pétillant. Normalement, thé patché, de mon expérience, et ça dépend si tu as mis du sucre ou non à l'intérieur, s'il reste encore du sucre ou si vraiment c'était un thé patché très sec, mais s'il reste quand même assez de sucre, ça devrait aller assez rapidement. En tout cas, j'espère avoir répondu à tes questions. Betterave à l'ail, oh, les betteraves.
Ça, c'est le genre de choses, les betteraves, et puis qui se mangent tout seul. Les viandes. Ah, ça, c'est un sujet qu'on aborde très très peu parce que c'est plus touché, mais dites-vous que les viandes se fermentent et c'est juste qu'au. Il y a plus de risques sanitaires avec les viandes qu'avec n'importe quelle autre fermentation. Donc, si vous voulez vous lancer dans cette aventure-là, renseignez-vous extrêmement bien. Mais disons que quelques viandes, ben, le saucisson, ben, une partie du processus de fabrication du saucisson, du salami, du jambon cru, eh bien, une partie du processus de fabrication est une fermentation. On appelle ça traditionnellement un vieillissement ou une maturation, mais c'est un processus de fermentation. Il y a des micro-organismes qui rentrent en ligne de compte et qui vont fermenter tout ça. Sophie, moi je fais du jeûne, est-ce que c'est la même chose que le kombucha? Oui et non. En fait, jeûne et kombucha, c'est la même chose. Mais jeûne, c'est fait à partir de miel, kombucha, c'est fait à partir de sucre. Techniquement, c'est pas la même mère, parce qu'en fait, dans le miel, il y a plein de micro-organismes, comme je vous disais tout à l'heure, des bactéries, des levures. Si vous rajoutez du miel dans un thé sucré et que vous rajoutez une mère de kombucha à l'intérieur, c'est probable que les levures et bactéries du miel prennent le dessus. Et donc, le résultat ne sera pas nécessairement très très bon. Donc c'est pour ça que normalement on va utiliser une mère qui a été habituée à fermenter du miel et qui est sans doute plus acide. En fait, c'est la technique, c'est de l'acidifier, de la nourrir au miel, de l'habituer à fermenter le miel. Et donc on parle d'une mère de June. Si vous cherchez une mère de June, en passant, on en a dans la boutique. Nous, notre fondation vraiment de Révolution Fermentation, c'est les cultures. Et on a des toutes sortes de cultures de partout à travers le monde et des cultures très très spécialisées. Et des mères de June et des mères de kombucha qui sont faites à Montréal d'ailleurs en passant, qui sont faites par l'entreprise Mananova qui a été fondée par Sébastien Bureau, qui était chercheur en chef, on va dire, chez Rice Kombucha dès les débuts et qu'aujourd'hui a sa propre compagnie. Puis Sébastien, c'est vraiment le plus grand spécialiste que je connaisse dans le domaine du kombucha. C'est pas pour lui envoyer des fleurs, vraiment, il est super bon. Et il fait des super mères de kombucha et des super mères de June. Vraiment numéro un. Est-ce qu'il y a plus d'antioxydants dans. Jean-Philippe, je suis pas sûr. S'il y a plus d'antioxydants dans une choucroute ou dans d'autres légumes, envoie-nous un courriel à info@révolutionfermentation.com. On va se faire un plaisir de faire une petite recherche pour voir si on peut te répondre. Jean-Philippe, la base du tépaché, c'est de l'ananas, plus particulièrement de la pelure d'ananas, plus de l'eau. Sur la pelure d'ananas, il y a des levures, c'est naturel, il y en a partout. Il y en a sur votre peau, il y en a sur n'importe quel fruit, il y a des levures. Mais là en particulier, il y en a beaucoup. Et quand vous les mettez, les pelures d'ananas, dans de l'eau, eh bien ça va fermenter. Et pour le goût, vous pouvez rajouter du sucre, vous pouvez rajouter même le cœur de l'ananas si vous n'avez pas trop faim, vous pouvez mettre de l'anis étoilé, différentes épices, de la cannelle, et vous allez avoir une boisson fermentée divine au bout de 3-4 jours. Vraiment super bon. Tout, tout, tout. Comment faire du jeûne? Ben, je l'ai expliqué. Vraiment super bon. Une mère de jeûne. Merci Sophie. Oh mon Dieu, dans du jeûne, substituer, tuer du sucre à la place du miel, ben, vous pouvez essayer. Ça pourrait marcher. L'inverse est moins gagnant, c'est-à-dire transformer un kombucha en un jeûne, mais transformer un jeûne en un kombucha pourrait plus facilement marcher, selon moi. À sans lécher les babines, merci. Comment faire une mère de kombucha? Le secret d'une mère de. En fait, un kombucha, un bon kombucha bien riche en micro-organismes, pourrait faire par lui-même une mère de kombucha. Je vous inviterai vraiment
si vous êtes curieux de ce genre de questions, à lire le livre Révolution Kombucha. Sébastien et David, qui ont écrit le livre Révolution Fermentation, viennent de sortir le livre Révolution Kombucha. Et à l'intérieur de ce livre-là, il y a plein de trucs. C'est vraiment... Sincèrement, je ne savais pas quoi m'attendre. Quand Sébastien m'a dit qu'il allait sortir un livre sur le kombucha, il y a déjà quelques livres sur le sujet, et puis je ne sais pas quoi m'attendre, mais vraiment, après l'avoir lu et après avoir eu le feedback de plein d'autres lecteurs, c'est vraiment un must. Si vous faites du kombucha ou si vous vous intéressez au kombucha, peu importe votre niveau, c'est vraiment un must. Parce que ce livre-là, ce qui est génial, c'est qu'à l'intérieur, il y a aussi bien des réponses très accessibles pour les gens qui débutent que des réponses très avancées. C'est vraiment ça qui est génial. Vous pouvez apprendre n'importe quoi sur le kombucha, aussi bien à faire du kombucha spontané, sans mère, qu'un kombucha alcoolisé, vieilli en fût de chêne, qu'un kombucha aussi simple que possible. En tout cas, il y a vraiment toutes les réponses par rapport au kombucha. J'ai l'impression que les questions, c'est fini pour maintenant. Ça fait 45 minutes que le live est là. Moi, je vais vous inviter. Je vais vous inviter. Ben, si vous avez 2-3 autres questions, allez-y. Mais surtout, je vous invite à avoir beaucoup de plaisir. Je vous invite à expérimenter. Et dites-vous bien que vous n'allez pas vous lancer dans un labo. Vous pouvez si vous voulez. Mais faire une fermentation, c'est extrêmement simple. C'est, comme je vous disais tout à l'heure, une choucroute, c'est un chou qu'on coupe en petits morceaux, on rajoute du sel à l'intérieur, vous pourriez même y aller au goût, tout simplement. Vous le mettez dans un pot, vous essayez de faire en sorte que l'air ne rentre pas dans ce pot-là. Si vous voulez, il y a des kits qui sont faits parfaits pour ça et qui marchent du tonnerre numéro 1, qui n'aura jamais de problème de fermentation à l'intérieur. Et au bout d'une semaine, de 2 semaines, vous allez avoir une super choucroute. Faire un yogourt, c'est d'une simplicité monumentale. On a des cultures traditionnelles de Vilin Mazzani. Je vous en parlais 2 minutes, je n'en ai pas parlé durant cette présentation, j'aurais sûrement dû. Mais Vili et Mazzani. Mazzani s'appelle aussi yogourt de la mer Caspienne. Le Vili, c'est, lui, il vient plus de Norvège, Finlande. Ce sont des yogourts mésophile. Vous avez probablement jamais entendu parler de ce terme mésophile, mais grosso modo, ce que ça veut dire, c'est ça fermente à température pièce. Si vous prenez une de ces cultures de yogourt, en passant, bien sûr, on les trouve sur notre site internet, mais si vous prenez une de ces cultures de yogourt mésophile, vous les prenez, vous le mettez à l'intérieur d'une bouteille de 2 litres de lait, vous refermez votre bouteille, vous secouez, vous laissez sur votre comptoir, le lendemain, vous avez 2 litres de yogourt. Hey, sincèrement, c'est pas plus simple, c'est pas plus possible de faire plus simple que ça pour avoir du yogourt. Il n'y a pas besoin de yaourtière. Oui, pour faire un yogourt traditionnel, en tout cas la plupart de ceux que vous pouvez consommer dans le commerce, il y a besoin d'une yaourtière parce que les cultures traditionnelles de yogourt, le yogourt grec ou le yogourt liberté par exemple, en tout cas celui que vous mangez habituellement, eh bien ça s'appelle thermophile. Thermophile qui aime la chaleur. Donc, ça a besoin de monter à une certaine température autour de 42 degrés Celsius. Mais il y a ces cultures traditionnelles qui sont mésophiles, comme le kéfir de lait d'ailleurs, qui fermentent à température pièce et qui fermentent très rapidement et qui sont extrêmement bonnes. Le Vili, en plus, il a une texture filandreuse qui est vraiment spéciale. Le goût est extrêmement doux, vraiment très très agréable. Le Mazzani, une texture un peu plus habituelle. Vraiment, c'est à essayer. Allez voir Vili Mazzani. Il y a Marie-Claire Frédéric qui vient de sortir un article sur ce matin même sur le Vili. Vraiment, c'est à essayer, ça vaut le coup. Donc, vraiment, comme je disais, ayez du plaisir. Tu sais, les fermentations, il y a de la magie là-dedans. C'est, oui, ça demande de la patience, mais ce n'est pas compliqué. Tu sais, dites-vous bien que la plupart des choses que vous faites dans une cuisine, c'est complexe, mais vous l'avez appris au fil du temps. Et aujourd'hui, faire cuire un œuf vous paraît extrêmement simple, mais
Regardez un enfant, comment il apprend à faire cuire un œuf. Il faut déjà d'abord qu'il tienne l'œuf sans le casser, ensuite il casse correctement et puis qu'il mette la coquille de côté, mais pas toute la, pas des morceaux de coquille à l'intérieur de la poêle. La poêle doit être chaude, il doit y avoir de l'huile, mais pas trop chaude. Et puis péter, tourner bien cuit, ou alors... Il y a plein de techniques, et puis vous les connaissez toutes ces techniques. En tout cas, vous en connaissez au moins la base. Et pourtant, c'est complexe quand on le regarde bien. Faire une fermentation, faire une choucroute, faire un kimchi, faire un kombucha, faire un yogourt, faire un vinaigre, oui, ça demande un petit peu de patience certaines fois, mais c'est extrêmement simple et tellement nourrissant, ça nous rend plus autonomes, c'est meilleur pour la santé, ça permet certaines fois de conserver la fraîcheur de nos fruits, de nos légumes. Tout au long de l'année, moi, il y a de l'ail fermenté qui est sur mon comptoir et que je me sers de temps en temps, qui a plusieurs années et qui est encore super bonne. De l'ail dans le miel, en passant, c'est vraiment super bon. Et puis l'hiver, quand on veut un petit casse-grippe, ça aide vraiment super bien. Il y a vraiment plein de choses. Et puis, on est là vraiment pour vous aider. En tout cas, moi, j'ai créé cette entreprise-là avec Sébastien, David, Barthélémy, et toute l'équipe de Révolution Fermentation qui travaille, qui œuvre chaque jour, c'est pour vous. C'est parce que nous-mêmes, on est passionnés de fermentation, parce qu'on aime ça, et puis on a envie de partager notre bonheur, notre passion, et puis on voit qu'il y a un potentiel pour tout plein de personnes. C'est certain que tout le monde sur Terre ne va pas fermenter ses aliments, mais il y a bien plus de personnes qu'aujourd'hui qui, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 6 mois, dans 2 jours, vont faire des fermentations. En tout cas, je vous souhaite une très belle fermentation. N'hésitez pas à nous contacter, ça nous fait extrêmement plaisir. Et joyeux temps des fêtes. Merci beaucoup.